Oh ben bonjour à tous. Eh oui, comme vous le voyez, on est à nouveau avec l'eau à la base de la Barine. Là, on est allé chercher des renseignements. Alors, vu que j'ai pas fait grand-chose à part trouver des coffres, il y en a deux autres, mais je parie qu'ils sont par là. J'ai pas pris le risque de passer parce que c'est là qu'on va pour la quatrième chapitre. Ouais, j'ai débloqué un défi d'autographe, je sais pas ce que c'est. Enfin, bref. Ouais, je ferai ça hors ligne, pas même pas me montrer. Donc là. Il est temps pour lui de quitter la base, et la dernière fois, il avait entendu les cris d'un enfant. Oui, pour ceux qui ont vu les vidéos précédentes, on s'infiltrait dans la base. Eh oui, c'est bien ce que je pensais, encore roule. On s'infiltre dans une base pour avoir des renseignements sur une carte, merci cousin. Ouf, t'es sain et sauf. Qu'est-ce que vous faites là? On a vu un amiral entrer dans la base. Te voilà intrus! C'est pas vrai. Je sais que tu voulais qu'on t'attende sans bouger. On verra ça plus tard, n'approchez pas! Bon! J'ai pas de. Question compétence, j'ai pas vraiment modifié la suite. Oh, attends une minute. Oh, mais arrêtez là! C'était pas ce que je voulais faire. Vlo, tu peux bouger s'il te plaît là. Pourquoi est-ce qu'il est lent tout à coup? Attendez. C'est parti. L'avantage c'est qu'on peut la diriger cette attaque. Ah, lui, il a utilisé du haki. Oh, il y a du monde là. Allez hop. Ouf. Allez hop. Excusez-moi. Attends les soldats. Qu'est-ce que je fais à votre avis? Ouais, on lui a arraché le cœur. C'est comme ça que ça marche. C'est bon, c'est fini? Bah, j'espère, parce que là. Ouh, super, on commence un chapitre avec une bonne baston. Rien de tel pour se réveiller le matin. Oh non! Pas ça, pas lui, Je pensais pas que ce serait lui. Ce n'était pas suffisant de t'introduire dans la prison volante. Il fallait aussi que tu t'attaques à une base de la marine. Kizaru. Tu es même venu accompagné d'une femme et d'un enfant cette fois. Quelle est donc cette vieille carte? Ah là là. Ne me dis pas que tu es le fils de ce menteur. Qui est-ce que tu traites de menteur? Ton père, évidemment, il a refusé de nous dire ce qu'il savait à propos de ces pierres. Et il a préféré conspirer avec les pirates, un criminel de première classe. N'importe quoi, mon père ne serait jamais associé avec des pirates. Oui. Ne l'écoute pas surtout. Si tu es son fils, tu sais probablement où sont les pierres de Zina. Logique, idiote. Quoi? Tu as tout l'air de le savoir. Et comment il a fait pour devenir amiral, cet idiot?
Dame d'ailleurs. Ça ne sert à rien, tu sais, la lumière est plus rapide que tout. Allez, venez donc me raconter tout ça en cellule. On s'y sent bien, vous verrez. Un instant. Moi, je sais où se trouvent les pierres d'Edina. Emmenez-moi, mais laissez ces deux-là s'en aller. Ok. C'est pas la sœur d'Isaac. Est-ce qu'au moins tu peux prouver ce que tu avances? Ma mère était la chef de ce peuple, et en tant que telle, elle savait des choses concernant les pierres. Laissez-les partir et je vous dirai tout. Imagine qu'il y a au moins une part de vérité dans ce que tu dis. Évidemment. Merci, Lo. Ça, c'est fait. Bon, eh ben, ça a plus ou moins résumé ce qu'on a eu avant. Mais maintenant, apparemment, le père du gamin avait fait cette carte, mais elle est incomplète. C'est bon, on n'est plus sur la zone. C'est doué pour échapper aux situations dangereuses, ce pouvoir. Oui. Pourquoi tu t'es enfui? C'était la meilleure chose à faire. Oh. Menteur, tu avais juste peur de te faire attraper. Je le savais, tu n'es qu'un pirate après tout. Oh, pardon. Attends, j'irai secourir jeune moi-même. On se détend. Quoi? Tu crois vraiment que tu peux y arriver tout seul? Tu vas le laisser partir comme ça, Lo? Dans l'immédiat, retournons au bateau des chapeaux de paille. On aura besoin de leur aide pour aller chercher Jeanne. Super fort, tourner au Frozen Sunny. Quoique, j'ai pas besoin de... Il faudra que je pense maintenant aller chercher d'autres coffres. D'ailleurs, dans un des coffres que j'ai trouvé, j'ai eu les plans d'un nouveau. D'un nouvel équipement un petit peu de type or. Alors, ça peut toujours servir. Et j'ai eu un succès pour avoir utilisé Shambles par surprise sur des ennemis. Allez, on y va. Pour sauver Jeanne, ça va pas être du gâteau. Surtout s'il y a Kizaru. Mais c'est ce bon vieux trifouillis, c'est quoi ce nouveau look? Où est passé Roule? Il n'est pas avec toi? Jeanne a été emmenée par la marine. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aucune importance, on a besoin de votre aide pour la sortir de là. Cherchez le fils. Je me souviens plus à quel moment de l'histoire principale ça a eu lieu, ça. Pour que le plan fonctionne, il faut que quelqu'un soit d'accord pour prendre la place de Jeanne. Oui. Prendre sa place. Évidemment, on viendra le libérer après. Chapeau de paille, il va nous falloir une diversion. Manda. Une digestion. Non, quoi? Non, il nous faut que tu déclenches une émeute. On profitera de l'agitation pour faire sortir Jeanne. Mais qui va prendre sa place? Ils vont trouver sa louche si tu retrouves l'un de nous dans une cellule. J'ai bien quelqu'un en tête. Le gamin roule. Oh,
être un enfant dans cette situation. Marine. Ne sous-estime pas la marine, on ne peut pas débarquer comme ça sans avoir élaboré un plan. Je le sais bien, mais... Je m'occupe de Roule. D'ailleurs, j'aurais besoin de ton aide aussi, Navi. Tu penses pouvoir rafistoler cette carte? Pour le nouveau monde, elle est en miettes! Elle est normale, elle a été déchirée. C'est normal que Zoro n'ait plus de visage. Laisse-moi voir, c'est dans mes cordes. Ah, ça devrait faire l'affaire. C'est une carte de l'île, j'imagine. C'est toi qui l'as dessinée? Non, c'est Roule. On voit qu'il aime la cartographie. Une carte aussi détaillée, on n'en voit pas tous les jours des comme ça. Ouais, il fait ça très bien. Je vois. Au début, ton plan ne me rassurait pas trop, mais finalement, j'ai l'impression qu'il pourrait marcher. Tu pourras lui la lui rendre. Bien sûr, s'il la veut, il n'a qu'à la demander. Je vais lui expliquer le plan. Vous, vous n'avez qu'à partir devant, on vous rattrapera. Est-ce qu'il est toujours dans la ville? Ça, faut l'espérer. Hein. Allez. On va retrouver le petit Roule après qu'on l'ait paumé bêtement. Enfin, qu'on l'ait laissé filer surtout. Il doit y avoir un truc sur la carte qui a dû échapper à Nami parce que Cousin nous a donné une info après avoir vu la carte. Kizaru l'a repéré directement alors qu'elle était enroulée. Il y a quelque chose d'autre. Mais quoi? Bon, alors mon petit, t'es où? Allez, où est-ce qu'il est passé? Il n'est pas ici. Quelqu'un a forcément vu, il faut que je me renseigne. Oh, je déteste cette phase de renseignement. Vous n'aurez pas vu le petit Roule? Ah si, je l'ai vu. Vous êtes de la famille? On peut dire ça, oui. Parfait, alors ramenez-le chez lui et faites en sorte qu'il se repose. Il n'avait vraiment pas l'air bien. On a essayé de l'arrêter, mais il n'a rien voulu entendre. Puisque vous êtes de la famille, il vous écoutera peut-être, vous. Croyez que ça compte pour lui? S'il suit vos recommandations, ça voudra dire qu'il vous fait confiance. À dire vrai, je pensais qu'il ne faisait confiance qu'à Jeanne, alors tant mieux. Je l'ai vu droit vers la base de la marine. Rattrapez-le. Roule, dans quoi tu t'es encore fourré? En même temps, c'est logique, il avait dit qu'il le ferait. Ouais. Il n'aurait pas vu le petit Roule. Il m'a dit qu'il allait sur une colline d'où on a une belle vue. Il court partout, il n'a qu'une idée en tête de devenir aventurier. Son père serait tellement fier de lui. J'ai entendu dire qu'il était de mèche avec les pirates. Mais bah, merde, c'est la marine qui a inventé toute cette histoire. Cette carte, c'est pour les habitants de l'île qui la faisait. Il voulait leur montrer la beauté du monde, il disait qu'il voulait donner du rêve. Comment quelqu'un dont les yeux s'illuminaient à chaque fois qu'il prononçait le mot rêve aurait pu s'associer avec des pirates? Tel père, tel fils. Ça faisait se rouler tout le portrait de son père. Il n'avait quand même pas l'air d'avoir le moral tout à l'heure. Encouragez-le pour moi quand vous arriverez à cette colline. Vers la base de la marine. Il est sur une colline près de la base de la marine. Je ferais bien d'y aller. Ça va être compliqué de savoir où il se trouve. Les deux derniers coffres de la zone sont là. Allez, on fonce. On a le temps de s'arrêter. On a un gamin à sauver. L'aventure, il est vraiment en danger.
Et voilà. Juste ici. Belle téléportation, je commence à maîtriser. Ça y est, tu t'es calmé? Je veux savoir, est-ce que mon père s'était vraiment associé à des pirates? Est-ce que c'était vraiment un menteur? Aucune idée, mais... Parfois, on ment pour protéger les autres. Quelqu'un a menti pour me protéger quand j'étais jeune. Tu étais là, tu as vu ce que Jeanne a fait pour toi. Tu peux comprendre. Peut-être. Roll. Très bien. J'ai besoin de ton aide. Ouais, tu peux pas le faire tout seul, on a compris. Je suis prêt depuis le moment où elle s'est fait emmener. On a un plan. Qu'est-ce que je dois faire? D'abord... Entrer dans la prison. Je sens qu'on va s'amuser. Pauvre petit. Faudra que tu penses à sourire plus, Lou. Excusez-moi d'avoir coupé en plein milieu. Le peu d'expérience que j'ai utilisé, c'est surtout pour améliorer mes compétences d'exploration pour recueillir des ingrédients. Je suis prêt. Alors, j'ai pas amélioré mes compétences de combat, désolé. L'échange avec les soldats aura lieu à la base de la marine. Il est temps d'exécuter le plan. Chapitre 4 s'arrête là directement. Eh ben. Et là. Ouais, comme vous le voyez, j'ai surtout amélioré ça. Ah oui, j'ai aussi amélioré ça, le gain de tension au maximum, histoire de pas avoir trop de problèmes. Bon, alors du coup, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est un peu court, mais vu que j'ai commencé à faire chapitre par chapitre, je crois qu'on va s'arrêter là. Ouais, je sais, ça se fait pas de faire ça, mais bon. En même temps, c'est mon jeu. Enfin, c'est mon jeu. C'est juste que c'est moi qui joue, je fais comme je veux. Bon, bah du coup, on se retrouve la prochaine fois. Une fois pour le prochain chapitre, pour l'opération sauvetage de Jeanne, à cause d'une situation dans laquelle on n'a rien contrôlé. Sur ce, mettez un pouce bleu si vous avez aimé notre petite baston et le moment émouvant qu'on a eu avec le petit. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne de nouveau et activer la cloche pour ne pas rater la suite. Mettez les commentaires sur Twitter et Facebook. Sur ce, au revoir et à la prochaine. Moi... je vais faire quelques petites emplettes dans les coffres.